Salut tout le monde, c'est Suna pour le test de Noël Père Noël Advance ou Santa Claus Junior Advance. Donc c'est un jeu de plateforme sorti sur Game Boy Advance, hein, comme son nom l'indique dans le titre. C'est un mode solo, un type plateforme développé par Neon Studio et édité par Joe Wood Entertainment. Il est sorti le 1er novembre 2002. Alors je commence à avoir un petit peu le stress, vous voyez, avant. Donc là j'écris n'importe quoi, on va s'appeler Pop. Je commence à avoir un petit stress hein, des jeux de Noël parce que je commence à ne plus savoir quoi faire et j'ai retrouvé des ressources insoupçonnées sur Game Boy Advance, enfin sur les consoles portables, il y a vraiment beaucoup de jeux de Noël. Donc, ouais, la petite cinématique d'introduction qui vont nous expliquer ce qui se passe. Hein. La vilaine sorcière là, hein, toujours de toute façon, il faut toujours qu'il y ait des sorcières dans les jeux là, hein. T'as l'impression que t'es obligé en fait. Hein. Donc c'est un voyage extraordinaire hein, qui nous attend. Il va falloir surmonter beaucoup de dangers. Une sorcière a jeté un sort sur tous les animaux et les jouets du monde. Le Père Noël nous demande de l'aide. On va l'aider à distribuer des cadeaux aux différents enfants, en tout cas aux différents personnages que l'on va croiser. Hein. Comme je viens de le faire à l'instant et comme je vais le refaire là tout de suite. Donc chaque niveau aura pour objectif des quêtes annexes. Donc les quêtes annexes, je m'explique, ce sera juste tout simplement donner les cadeaux aux différents enfants que l'on va croiser à travers les 36 niveaux du jeu. Vous avez bien entendu, il y a 36 niveaux. Chose assez rare, hein. Le jeu est relativement long. Donc les premiers niveaux, évidemment, vous avez les différents enfants relativement sur vos chemins. Et plus on va avancer dans le jeu, et plus il faudra trouver des chemins annexes ou des petits passages. Vous voyez là, j'ai trouvé les 4 sur 4, mais je suis pas top parce que j'ai fini le niveau en 50 secondes au lieu de 45. Donc vous voyez qu'il y a deux objectifs à faire. Finir dans le temps imparti que définit le Père Noël et trouver tous les enfants pour leur refiler les cadeaux. Vous voyez qu'on peut se remettre des cœurs, 3 cœurs maximum en bas à droite. Comment on se les remet? Tout simplement grâce à nos points étoiles en bas à droite. Donc là, le fait de donner le paquet cadeau à l'enfant, ça m'en a donné une dizaine, il me semble. Les sapins, c'est les checkpoints. Donc je fais le test au lance-pierre, hein. Calmez-vous. Voilà, j'essaye de détailler rapidement ce que l'on voit à l'écran. Hein. J'essaie de vous en montrer un maximum. Donc on est sur Recalbox, hein, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais vous en doutez. Donc j'ai fait plusieurs save states tout le long du jeu. Donc j'ai terminé, bizarrement, Recalbox a planté sur la fin. Donc j'ai dû terminer la dernière heure de jeu sans sauvegarder, sans tricher, hein, avec des save states, évidemment. Je sais pas pourquoi ça marchait plus, le bouton de la manette Xbox ne marchait plus. Pourtant, j'ai redémarré Recalbox et depuis ça fonctionne. Donc ça va forcément refonctionner puisque je vais charger mes parties. Donc, ouais, 55 sur 55, il me dit pas top au niveau de sa main, comme vous pouvez le voir. Parce que j'avais que donné 3 cadeaux sur 4. Mais graphiquement, c'est joli. Hein. De toute façon, pour moi, la Game Boy Advance, c'est la Super Nintendo portable. Il n'y a pas à chier. C'est vraiment très joli. Je vais crever. C'est très joli, vous allez voir que c'est assez varié, les différents mondes, les différents environnements du jeu sont sympas. On a même un monde type Halloween, j'ai trouvé ça hallucinant. Un petit peu le monde de l'horreur version Noël. Une espèce de citrouille, donc vous le verrez pas dans ce test, hein. c'est pas le but. On va pas parler de ça. Hop, encore un paquet cadeau. Tac, le sapin de Noël qui s'éclaire, donc checkpoint. Là, ça commence, vous voyez, à se compliquer légèrement. Hein. Le jeu est pas facile. Hein. Vous allez dire, c'est bon, jeu de Noël égale jeu pour enfants. Mais non, je suis quand même mort un paquet de fois. Je me suis énervé un paquet de fois aussi, surtout au niveau des sauts. Des fois, j'ai du mal à, je sais pas, j'ai du mal à sauter bien haut. Je comprends pas pourquoi. Peut-être j'ai effectué un mauvais timing. Je sais pas. Là, vous me direz, pour ceux qui ont fait le jeu, pour ceux qui ont envie de le faire suite à ce test. Hop, on va charger, vous voyez qu'on est là maintenant, on est dans des grottes, dans des mines, je sais pas trop. L'ambiance est vraiment jolie, hein. Les effets de couleurs sont vraiment top. Moi ça me permet aussi de voir un peu ce qu'a cette console dans le bide, hein, puisque je la connais pas vraiment. Ça me permet de tester des jeux, et c'est vraiment top. Bon, j'ai quasiment que des bonnes surprises hein, sur la Game Boy Advance. Ah et non, j'avais oublié le Pôle Express, c'était Game Boy Advance, non? Mon test de Noël il y a 3 ans, je crois, un peu plus maintenant. C'est assez catastrophique. Hop, double saut. Ouais, mais par contre, le double saut nous coûte des points d'étoiles en bas à droite. Moi, généralement, les points étoiles, je préférais les garder pour me régénérer des cœurs.
à vous de voir. Donc la chauve-souris, ça vous permet, on va dire, de planer, hein, de monter plus vite. Voilà, hop, checkpoint. Donc est-ce que j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce jeu-là? Oui et non. Je pense que c'est le meilleur jeu de Noël que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Je suis en train de réfléchir, mais il me semble bien que ce soit le cas. Largement mieux que The Grinch. C'est un style Days Before Christmas en mieux. Je pense qu'il est quand même mieux que Days. Le tout premier test de Noël que j'avais fait sur la chaîne. Mais ouais, les autres, il n'y a pas à chier. Je trouve qu'il est mieux. Hein. Donc, pour une fois, c'est pas un mauvais jeu. Mais pour moi, il manque quelque chose. Les environnements, donc Noël, ça c'est top, c'est cool. Mais il manque quand même d'identité. C'est sympa, aberrant de dire ça alors que c'est un jeu de Noël. Il a une identité Christmas. Mais voilà, je suis pas totalement satisfait. La jouabilité est plutôt top, même si moi j'ai du mal à sortir les sauts de temps en temps. Ça c'est parce que je suis un handicapé de la manette. Sinon, bah les musiques sont classiques, hein, rien à signaler de... Là, j'ai pas réussi à sauter par exemple. La durée de vie est bonne pour un jeu de ce type. Pardon, tir au toto. Non mais, handicapé quoi. T'sais, j'ai loqué comme d'hab. J'espère qu'il va vite passer, hein, sinon il va vite nous emmerder celui-là. Donc là, le double saut hein, là, vient de me sauver. Ça part dans tous les sens. Hein. Entre l'espèce de boucle chèvre là qui essaie de m'enculer, la pierre qui essaie de m'écraser, ça commence à se compliquer petit à petit. Le jeu il va crescendo hein, au niveau de sa difficulté, c'est pas non plus insurmontable, hein, loin de là, calmez-vous, hein, c'est pas du niveau Donkey Kong Country non plus, où certains niveaux étaient vraiment casse-tête, surtout pour le deuxième volet. Là ça reste un jeu sympathique, alors je sais pas, est-ce qu'il est vraiment pour les enfants? Je pense que c'est tout âge, hein, si t'as envie de te faire un jeu de plateforme. Par exemple, le jeu de plateforme là, sur Super Nintendo, je me l'aurais acheté, hein, sans problème. Bah, je vous montre l'espèce de la gare, la case, je sais pas trop comment on pourrait définir cet environnement. Avec le ciel rouge de chez Rouge, là, le ciel sang. Les musiques sont très répétitives, quand même. Hein. Bon, généralement, moi, je baisse le son au taquet quand je joue à des jeux comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, voire je mets à la limite un podcast en fond. Mais sur combien de temps j'ai passé? Je sais pas, je dirais 2-3 heures sur le jeu. En plusieurs fois, hein, je l'ai pas fait d'une traite. Je l'ai dû faire en 2 semaines à peu près. Et non, c'était relativement un plaisir d'y retourner de temps en temps. J'étais pas spécialement blasé, je me sentais pas forcé d'y jouer. Donc, je pense que c'est un bon point. Et je pense que chacun aura le même avis que moi. Peut-être le faire d'une traite, c'est un peu prise de tête. Tu vas peut-être t'énerver, t'ennuyer assez rapidement. Oh putain, là, j'ai eu peur. Ah oui, ok. Ne pas tomber tout en bas. Voilà. Checkpoint, les étoiles. Vous voyez que là, j'en ai 30. J'étais touché par... Ah oui, il me tire dessus, c'est vrai, bon c'est pas grave. Il y avait le checkpoint juste en dessous, ouais, qu'il a même sauvegardé mes étoiles, donc j'en ai toujours 30. En haut à droite, c'est les vies, hein, les friandises. Je sais jamais comment on appelle ces trucs. Les cannes à sucre, non? Les toupies. Ouais, ambiance Noël, hein, y a pas à chier. Je suis en train de me demander s'il existe un jeu casse-noisette. C'est vrai que je l'ai cité tout à l'heure, mais... Donc je vous avouerai que vers la fin du jeu, mon seul but c'était d'aller vers la fin du niveau. Hein. J'essayais même plus de donner les cadeaux aux différents enfants. On sent pas les steaks complets. Mais ouais, les environnements sont variés. Vous en avez vu 3. Je pense pas que je vous en montrerai plus. Je sais pas si j'ai fait d'autres safe stages, j'en doute même. Cadeau. Par contre, je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, je peux pas retourner vers la droite. Donc, attendez, si on saute là-dessus... Voilà. Ouais, là, j'ai essayé de faire un saut haut, j'ai pas réussi. Comme celui-là, là. Je sais pas, des fois ça sort, des fois ça sort pas. C'est peut-être... Non, ça peut pas être ma manette. Je viens de m'acheter une manette Xbox Series X, là, machin. Qui m'a coûté une blinde avec le câble USB, là. Pour brancher sur le Recalbox. Parce que ma manette de 360 commence à déconner légèrement. Donc ça, c'est l'invisibilité, hein, vous l'aurez compris.
On aura aussi la possibilité de balancer des boules de neige hein, sur les ennemis, mais il faut récupérer le bon item. Ça, c'est un peu con qu'on puisse pas le faire n'importe quand, parce qu'au final, il y a de la neige partout hein, sur le sol. Donc, allez, 4 sur 7. Ah, c'est pas évident. Hein. Là, on est carrément sur les rails. Ah, il faut faire gaffe à la fumée. Je me remets des cœurs, ça me fait à chaque fois moins 10 d'étoiles. Vous voyez que j'en ai déjà 30, ça va très vite. Car le mec qui a fait le jeu là a vraiment fait du bon taf au niveau des graphismes, hein. Je trouve ça vraiment parfait. J'aurais peut-être éventuellement préféré que le personnage là, Père Noël Junior, ait le chapeau sur la tête. Ouais, vous voyez le chapeau du Père Noël, je pense que ça aurait été plus stylé, plus marrant, un meilleur clin d'œil pour Noël. Bon, après, ils ont mis l'effort de le mettre en type cagoule. Bon, on va pas trop chipoter non plus. Par contre, c'est la suite du jeu Santa Claus Junior sur Game Boy Color. Celui-là, j'ai juste regardé vite fait sur YouTube. Il est quand même beaucoup moins beau que celui-là, donc je me suis dit, on va faire celui-là directement. De toute façon, dès que j'ai vu les images, j'avais envie d'y jouer. Je trouvais ça tellement beau que fallait que je le teste, fallait que je le tente. Donc ça fait aussi plaisir de tester un jeu, un bon jeu de Noël. Parce que bon, il y en a pas énormément, mine de rien. Et bon, comme je l'ai dit, j'ai retrouvé pas mal de jeux à faire sur les prochaines années, si je suis encore là. Hein, ça on verra, mais voilà, je trouve que ça, c'était vraiment un bon choix de jeu pour cette année. Alors là, comment je fais pour passer sans me faire toucher? Voilà, là, c'est pas évident. Pas évident au niveau du saut. Donc ça fait combien de temps? On a déjà dépassé les 10 minutes, je radote tellement que je vais quand même vous souhaiter un joyeux Noël. Portez-vous bien, profitez de votre famille, de vos amis, ceux qui sont seuls, essayez de vous occuper, hein, ne restez pas chez vous à vous morfondre, essayez de vous faire une bouffe, cuisinez, occupez-vous l'esprit, faites un jeu vidéo, achetez-vous un jeu spécialement à faire pour Noël et puis vous le faites limite d'une traite, je sais pas, vous lancez l'émulateur, votre Recalbox, je ne sais pas. Occupez-vous, voilà, il faut pas rester à rien faire, faut pas déprimer, faut essayer d'avancer, même des fois ceux qui passent Noël en famille, c'est pas tous les jours marrant, quoi. Il y a beaucoup de jugements aussi dans les familles, hein. Comme on le dit, on choisit ses amis mais pas sa famille, enfin plutôt l'inverse, on choisit pas sa famille mais on choisit ses amis, donc voilà, si c'est un moment difficile pour vous, serrez les dents, essayez de profiter un minimum, mangez, pétez-vous le bide. Voilà, essayez de passer un bon moment. Moi, cette année, je pense qu'à Nouvel An, je serai sans doute seul. Parce que je vais devoir bosser sans doute le 31 et le 1er. Donc, voilà. J'essaierai de m'occuper. Enfin, on verra si je bosse le 1er. Mais j'ai rien de prévu du tout. Sans avec le Covid et tout, j'ai même pas envie de me prendre la tête. Mais je sais que je vais me faire un jeu. Je me suis acheté Control sur PS5. Qui était un remaster, hein, je crois que la version PS4, je sais plus. J'espère qu'il est bien, on verra, je crois que c'est ceux qui ont fait Alan Wake, donc j'ose espérer que ce soit un bon jeu. Donc voilà, changez-vous les idées, ne réfléchissez pas à Noël si vous êtes seul, pensez à quelque chose, je sais pas, faites votre ménage la journée, commencez à préparer à manger assez tôt, faites-vous un vrai repas. Après vous allez me dire, ouais mais le budget... Faites-vous un truc simple, je sais pas, simple mais copieux, alimenté d'un bon film. Un film sympa, pas spécialement un film de Noël. Hein. Je sais pas, science-fiction, un truc qui vous fait réfléchir, qui vous fait penser à autre chose. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, ça c'est cool. Allez, on y va. Petit raccourci, hein, tu restes en bas en fait, t'esquives tous les ennemis. On va terminer encore un ou deux niveaux et puis hasta la vista baby. N'hésitez pas à venir ce que vous avez demandé au Père Noël. Si vous avez des jeux ou autre chose, hein, on s'en fout des jeux vidéo, hein, y a pas que ça dans la vie. Hein. Des DVD, des Blu-ray, des fringues, je sais pas, un voyage, un truc dans un spa, ouais. Il existe beaucoup de types de cadeaux. Ok, donc ça c'est cool. Voilà, donc le niveau est réussi. Est-ce que je vous en montre encore un petit? Là je suis à fond là, comme quoi le jeu est... Ah, regardez-moi comme c'est beau là. Le village enneigé. Donc là j'avais trouvé ce raccourci, en fait tu fais que de courir. T'avances comme ça et tu vas voir que ça va passer nickel chrome. Voilà, l'invincibilité.
Enfin, les lutins là comme ennemis. On est dans l'ambiance de Noël, le Père Noël. Ah ouais, il y a le passage là qui est pas évident. Bref, je le savais. Aïe. En fait, faut éviter de s'arrêter. Faut... Alors, en même temps, je dis ça, mais bon, il y a le bonhomme de neige. Ouais, là, j'aurais pas dû. Est-ce que j'aurais assez d'élan pour me propulser jusqu'à l'autre côté, je ne sais pas, jusqu'à l'autre rive. Voilà, ça passe tout juste. Allez, récupère le cadeau. Les derniers niveaux sont vraiment limite psychotiques. Hein. Moi, je vais pas en dire plus, mais... Avec l'espèce de château en fond comme ça... Enfin, vous verrez, je vais pas vous spoiler. Ah là là, voilà. Et je me suis pris le pic dans le cul. Donc là, donc c'est pas grave. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce test vous aura plu. Durée de vie est vraiment très bonne. Là, les décors sont super. Musique peut mieux faire. Voilà, jouabilité top. Rien à dire. C'est vraiment un bon jeu de Noël qui manque peut-être d'identité. Il manque quelque chose pour que ce soit vraiment un bon jeu. Je saurais pas vous dire quoi, mais voilà. Donc merci à tous. Ciao tout le monde. Et foutez-moi le camp, bien sûr.